Salut Eric, les mains sur 1351 à toi. Attends, j'ai oublié un détail. Ah, voilà. Ok, voilà, ça marche. Les mains sur 1351 Eric, de la part de 14 ODR 002, d'Andy 33, opérateur Rémi. Là pour le grand QSO national du canal 27, comment vas-tu? Alors on démarre juste. Là tout à l'heure à moins 10, j'ai entendu à moins le quart, j'ai entendu parler un petit peu, vite fait. À moins 10, il y a eu un petit coup de sifflet. Donc il y a des stations là qui sont en attente derrière. Alors, pour avertir, eh bien, cette première demi-heure, eh bien, comme à chaque fois, elle est filmée pour montrer un peu l'activité qui se passe là sur la CB, sur le canal 27. Voilà, donc Eric, comment vas-tu depuis la dernière fois que je t'ai eu en fréquence? Ouais, affirmatif. Hélas, ouais. Ben oui, demain je me lève à 4 heures. J'embauche à 6 heures. Dimanche matin, pareil aussi. Donc, non, demain soir, ça fera trop short pour pouvoir y être. Là, je fais déjà l'effort ce soir d'y être, c'est déjà pas mal. Ah, chi! Sachant que le réveil est quand même mis à 4 heures du matin. Toi, là, déjà, si on compte déjà à partir de maintenant, il reste plus grand-chose à dormir. Ah, chi, trois coups. Ok, pas de problème, voilà. Mais ce soir, je vais faire mes cuissons avec le président Georges. Parce que j'ai tombé en panne avec mon alimentation qui alimente le décamétrique. Voilà, donc j'en ai commandé une et je le recevrai ce mardi. Donc ce soir, ça sera avec le président Georges et ça sera plus grand temps pour venir là. Voilà, retour à temps, allez. Ah ben, ça marche bien, hein? Oui, c'est un peu plus faible que d'habitude, mais bon, ça va, le niveau de QRM a baissé, puisqu'il y a quoi, il y a une heure et demie de ça, j'avais entre 5 et 7 de QRM là de mon côté. Là, je commençais à avoir un petit doute là pour la soirée. Bon, j'ai croisé les doigts et tout ça pour que ça se calme. Bon, c'est quand même pas mal descendu. Et puis là, c'est tout bon, je t'entends bien, hein. De mon côté, je rentre. J'ai pas eu trop le temps de m'occuper de la station, mais j'ai quand même regardé un peu le fil d'alimentation que j'ai là pour le poste. Car là, c'est le 6009N que j'ai remis, et le cadre d'alimentation qui a d'origine là dans mon coffret expédition, il est tout juste bon pour des 40 canaux à MFM, c'est tout, pas plus. Donc voilà, tu vois d'où vient mon problème d'alimentation, quoi. Voilà. Et puis le cordon de 2 mètres que j'ai après qui relie la station à l'alimentation, je vais le couper en deux. Je vais le réduire à 1 mètre, ce sera bien suffisant et j'aurai moins de pertes aussi, quoi. Donc là, si le dernier coup, quand ça a cafouillé, je rentrais à 10 watts dans le scarabée doré, comme tu appelles ça, chi trois coups. Là, ce soir, je rentre à 8 watts. Donc, évidemment, là, je vois sur le wattmètre, bon, ça monte un petit peu moins haut, mais bon, ça reste correct quand même. Y a pas de souci, le tout, c'est qu'on s'entend, mais y a pas de problème, ça va, ça passe, voilà. Mais fais tourner un petit peu, voir s'il y a du vent derrière. De mon côté, j'en sais rien pour le moment, hein. Ok, je pense qu'il y a de belles figures qui doivent être derrière. Il y a des chances qu'il y ait un Noël des 59 qui compte sur la propague là pour rentrer. Autrement, oui, on va laisser un petit blanc là pour voir qui va vouloir rentrer le premier en avant les stations. Ok, Belfegor, et eh bien ça marche très bien de mon côté, là je t'entends bien, il n'y a pas de problème. Alors ok, je te réponds en même temps sur le chat. Voilà, ça y est. Ok, voilà. Ouais, je suis en même temps en direct sur le chat et sur le groupe Division 14 ODR.
Donc le chat, le forum des ondes du routier, le groupe 14ODR, plus le QSO en même temps. Je vais essayer de tenir la cadence là sur les trois. Lâchi. Ok, ben de mon côté, hein, c'est assez cuiré aussi. Bon, c'est pas très épais, c'est sûr, mais ça passe quand même. Eric, est-ce que tu arrives à entendre Belphégor là ce soir? Parce que là, je trouve qu'il passe mieux que d'habitude. Ah zut, Belphégor, est-ce que tu arrives à entendre Eric? Parce que lui, il n'arrive toujours pas à te sortir. Apparemment, là, il y a un mauvais couloir de ce côté-ci, alors que de mon côté, ça passe. Affirmatique, voilà. Non, là, c'est toujours du 0-0-0. Hein. Ah ouais, Belphégor, est-ce que tu arrives à entendre Eric? Non, il t'entend pas non plus. Donc, Eric, Belphégor, vous arrivez toujours pas à vous entendre, là, tous les deux. Ça, c'est quand même curieux, les ondes, des fois, parce que vous êtes plus près l'un que l'autre qu'avec moi. Et du coup, Belphégor, toi de ton côté, Eric, toi de ton côté, depuis mon QTH, je vous entends tous les deux, mais... Je sais pas comment expliquer ça, c'est bizarre. Ok, eh bien, pour te faire un report, c'est un petit peu difficile parce que bon, c'est une radio de 3-4. Mais je t'entends, je te comprends, il n'y a pas de problème. Au niveau du signal, j'ai encore un niveau de QRM qui vacille entre 3 et 5. Donc, t'es dedans. Je peux pas te faire de vrai report côté Santiago, Belphégor. Ok, tu t'en vas déjà. Ok, ouais, Marc, c'est vrai que... Non, mais je comprends ça, parce que c'est vrai que si tout le monde n'arrive pas à s'entendre et tout, ça dégoûte un petit peu, quoi. Bon, c'est pas grave. Les bonnes 73 à côté à toi, Belphégor. Merci de ton petit passage. Je fais un retour de micro du côté Eric. Ok, voilà, je suis revenu sur la fréquence. Ah bah oui, tu m'étonnes. Là, si tout à l'heure, je t'entendais, on va dire, quasiment pareil qu'avec Belphégor, là, ça passe beaucoup mieux, là. Ok, mais là, oui, c'est un petit peu plus de confort, là, voilà, pour que le vol monte un petit peu mieux, quoi. Bon. Oui, alors, qui c'est qu'on a, là? On écoute, normalement, alors, attends. Je suis en train de regarder en même temps là sur le groupe Division 14ODR, le groupe Facebook. Alors normalement on a Arnaud qui doit être en fréquence. Je ne sais pas son QTH. Nounours qui a des chances d'y être aussi. Alors Vador. Qui je pense, je sais pas trop. Bon, il y a quelques stations qui essaient quand même de nous avoir. Alors, il y a Dakota 59 qui est aussi en fréquence. Mais bon, ça fait un petit peu loin pour nous. J'ai vu qu'il y avait une station de 3 aussi là qui est en fréquence ce soir. Là, vu que la propague a l'air d'être à 0, là pour nous, ben, ça va pas être top du tout.
Enfin bon, bref, de toute façon, si on arrive à les entendre, s'ils nous entendent, ils nous feront un petit coucou, et puis voilà, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres stations qui veulent rentrer dans le QSO? En avant. Bon, a priori, pour l'instant, non. Là, on se fait que tous les deux, là, maintenant. Je suis en train de regarder en même temps. Ok, bon, ça a l'air, c'est assez calme, on dirait, ce soir. Hein. Par contre, Eric, demain soir, je ne pourrai pas être en fréquence. Eh bien, mais je serai au pro, quoi. Mais oui, je te l'ai déjà dit tout à l'heure, en plus. Alors, attends, j'essaie. Il y a Didier qui nous envoie les bons chiffres. Alors, attends, que je lui réponds. Que je réponds en vitesse. Voilà. Là, voilà, toi, là, ça fait. Là, j'ai fait exprès de garder un petit peu le micro, là, comme ça. De ton côté, là, ça marche bien, là, ça déconne pas, quoi. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, si la dernière fois, je rentrais à 10 watts avec le 6009, là, ce coup-ci, je rentre à 8 watts. Donc, je tire moins sur la tronche au niveau du cordon d'alimentation. Et de ton côté, là, Eric, ça marche bien, je pense. En ce qui me concerne, j'ai pas de retour à chef comme le dernier coup dans le haut-parleur extérieur. Hein. Là, tout marche bien de mon côté. Hein. Ok, mais tant mieux. Je te reçois, c'est bien. Il n'y a aucun souci, hein. C'est clair, c'est correct, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, par contre, moi, si tu fais attention au fusible du 6009, c'est du 10 ampères dessus. Hein. Ouais, affirmatif. D'ailleurs, c'est vrai que là, j'ai pas encore testé à pleine puissance. Je suis pas sûr que le fusible qu'il y a dessus résiste beaucoup. D'ailleurs, je sais même pas ce qu'il y a comme fusible dessus, j'ai jamais regardé. Mais de toute façon, c'est vrai que quand je regarde la taille du cordon là, du poste, bon, celui de la chaudière, il n'y a pas de problème, il est conséquent, mais l'autre, il est tout rikiki, ouais. Pas étonnant que, rappelle-toi au salon, Eric, comment la lumière fléchissait à chaque fois, quoi. Eh bien voilà, c'est à cause de ce foutu cordon là qui alimente le poste. Oui, mais la notion fumée à 50 ampères, ça alimente le poste, plus le caraméloé, ça fait beaucoup trop sur la même année. Ah ben, le poste, le scarabée doré, ils sont tous branchés sur un câble qui est en 4 carrés. Donc là, bon, c'est pas du 10 carrés comme certains mettent dans leur bouche, c'est clair. Mais bon, c'est quand même du 4 carrés. Celui-là, je le raccourcis par la suite de moitié. Mais je vois l'autre qui alimente le poste lui seul. J'ai l'impression que ça doit être du 1,5 ou... ouais. Oh oui, oh ouais, il est vraiment petit, et j'ai l'impression que, peut-être, non, du 2,5, j'ai un doute. Quoique, mais de toute façon, le cordon qu'il y a dessus, c'est celui qu'il y avait à l'origine avec le Sommerkamp, avec le RCI, quoi, si tu préfères. Et c'est vrai qu'il est vraiment pas épais du tout, quoi. La lime, c'est une 50. Donc tu vois, c'est pas elle qui me cause un problème, hein, parce que de toute façon, là, tu vois, là, j'ai tout qui est en route, mais même pas je la vois clignoter ou quoi que ce soit. Hein, alors attends, c'est une 50 hein, quand même. Hein. Donc côté alim, il n'y a pas de problème. Après, c'est surtout côté diamètre des câbles d'alimentation qui est le problème. C'est eux là qui me bouffent toute la puissance. Et surtout là, le petit rikiki là qui y a au niveau du poste. Parce que c'est vrai que là, tu verrais le diamètre, t'hallucinerais, quoi. Hachi. Non, mais de toute façon, dès que je peux, je vais attraper le plus gros câble que j'ai. Bon, ça va être certainement celui que tu m'as laissé avec.
que je vais brancher là dans, dans la station, et puis ce sera tout bon. Quoi. Je ne peux pas avoir parce que mon ami, moi, elle vient de me lâcher et elle fonctionnait, mais elle m'a lâché. Ce qui se passait, c'est que quand je me suis arrêté, que moi, à 100 km sur la ligne, juste à l'animal, normalement, tu dois avoir du 16 volts et 8. J'avais du 12 volts à faire pour moi, tu vois. Et dès que j'appelais chez mes appareils et tout ça, et bien ça s'est vissé, oui, c'est pas sûr, je passais à 11 volts et quelques. Il faut que ce que tu fasses, c'est que quand tu te sers de l'antique, tu modules avec le poste, tu mets un métier directement branché sur la ligne et tu vas voir de combien elle chute. Il ne faut pas que ça arrive en dessous de 2 volts. Ah ben non, de toute façon, et là, elle bouge pas. C'est... Attends, j'amène, puisque là, en même temps, je suis en train de faire une petite vidéo, voilà. Je suis braqué en plein sur, sur le vue-mètre, sur le voltmètre. Ça, ça bouge quand même, pour ainsi dire, pas, quoi. Voilà, alors que pourtant, tout est en marche. Bon, par contre, j'ai un petit souci avec l'aiguille de l'ampèremètre. Elle est très capricieuse, ce soir l'ampèremètre n'a pas envie de marcher. Enfin bon, peu importe. Là, on voit bien là, le voltmètre, là, sur la vidéo, ça ne bouge pour ainsi dire pas, quoi. Ouais, mais c'est pas facile, c'est de quoi. Même carrément un métrique, tu vois, c'est sur la vidéo. Si vous le métrique, comme ça, c'est précis. Et là, tu vas vraiment le voir. Tu veux savoir une surprise en mettant le métrique, c'est regarder le métrique, c'est regarder ton vue-mètre. Il y a des grosses différences. Ouais, je sais bien, mais ouais, oui, non mais ça d'accord, mais bon, là quand même, tu me dis une variation de 2 volts, non, j'ai même pas 500 millivolts d'écart. Si ça fléchit, on va dire, de 100 millivolts, et encore, non, même pas, puisque là, 50 millivolts et encore. Allez, même pas à peine l'épaisseur de l'aiguille, hein, ça fléchit. Voilà, tu vois, c'est vraiment très très minime, hein, juste à peine l'épaisseur de l'aiguille. Mais fais confiance, Eric, Ouais, voilà, toi, là, voilà, j'ai carrément braqué la vidéo dessus. Ouais, non, mais ça, d'accord, je ferai l'essai. Par contre, le Matrix que j'ai, c'est un Matrix digital. Alors, pour le coup, il me faudrait un Matrix à aiguille. Là, ce serait plus pratique. Ça, c'est bien un digital. Moi, j'en ai un digital, et non, ça ne parle pas, hein, alors. Ok, ouais, non mais je ferai le test, il n'y a pas de problème. Ok, s'il y a des stations en fréquence là qui arrivent à nous entendre, en avant. Ouais, j'ai pas mal de QRM de mon côté, hein. Pourtant tout est enclenché. Le écoute, tout est mis, mais bon, à part du QRM, là, c'est tout ce que j'ai, quoi. S'il y a quelqu'un derrière, il est en plein dedans, j'arrive pas à l'entendre. Ouais, il y a Thierry qui s'est mis sur le forum, là, j'ai vu, il dit rien de mon côté, c'est le désert. Ouais, je vois ça, ouais. Didier, c'est pareil, là, dans le nord, et c'est calme aussi ce soir. Faut dire aussi qu'on a une période de vacances, hein. C'est pas fait pour aider aussi. En période de vacances, eh bien, t'en as pas mal qui oublient la module. Hein. Ouais, j'ai vu que Pascal était relu et qu'il se forme. Ouais, affirmatif, il a fait quelques petites modifications. Enfin, il est toujours en train de faire quelques petites modifications.
il essaie de rendre plus léger son forum. Et c'est pas évident. Hein. C'est y a du boulot. Hein. Là, j'ai un petit peu conversé avec lui là en message perso. Et c'est vrai que justement, je lui disais comme ça, est-ce que tu peux enlever cet écart qu'il y a entre les boutons et le titre de chaque sous-rubrique? Et a priori, c'est un truc qu'il ne peut pas faire. Je sais pas, c'est peut-être une histoire de thème. Je sais pas, c'est à voir. Faut qu'il fasse d'autres tests. Ouais, il a envie de le relooker un petit peu. Par contre, j'espère qu'il va garder ce fond noir, car ça personnalise bien le forum depuis le début, quoi. Enfin, voilà, quoi. Alors maintenant, pour le reste, je sais pas, à mon avis, il va faire d'autres tests. Ouais, aussi, pas de problème. Et moi aussi, j'ai conversé avec lui, il m'a dit qu'il était en vacances chez les parents, voilà. Et puis, j'ai vu qu'il était revenu, mais je pense qu'il n'a pas de reprendre le vol encore. Alors, il reprend lundi. Mais là, pour le moment, faut pas le déranger. Hachi, comme qui dirait, il n'est pas tout seul. Ouais, tu m'étonnes. Et moi, là, le 6009, je l'ai rebranché que là, en fin d'après-midi, hein, c'est tout. Hein. Autrement, j'étais que sur le DK, c'est tout. Hein. Ok, ouais. Et ça, c'est mon tour, ça s'est bien passé? Ah oui, j'ai fait toute une boucle en Dordogne. Je suis allé jusqu'à Sarlat. Arrivé à Sarlat, je suis tombé sur une manifestation d'agriculteurs. Oh, quand j'ai vu ça, j'ai dit il est peut-être temps de faire demi-tour avant de me retrouver coincé. Oh, c'est impeccable, j'aurais dû passer tranquille. Ouais, et puis bon, en cours de route, un petit pique-nique. Voilà, tac, c'était bien sympa, quoi. Et puis là-bas, pour être tranquille, t'es tranquille. Hein. Oh putain, t'as pas beaucoup de voitures qui circulent hein, en Dordogne. Hein. Surtout quand tu vas du côté du Périgord Noir, tous ces coins-là, ça. Là, t'es au milieu des bois, ça fait bizarre d'ailleurs, t'es tout seul comme ça, là, ça fait bizarre. Elle n'est pas habituée sur le coup. Ouais, pas bien, elle est à la moto, ça va. Ah ben, elle était au boulot, elle était au pro pendant ce temps-là, donc j'y suis allé en solo, quoi, en célibataire, hachi. Alors oui, j'ai des nouvelles de Chameau. Ce soir, il peut pas se mettre en fréquence. Il a du monde chez lui. Il s'excuse. Il est coincé là pour le QSO. Ok, il n'y a pas de soucis. C'est normal. Il a un peu des obligations familiales. Il n'y a pas de soucis. Ouais, c'est vrai. Par contre, il est passé sur Facebook, puisqu'il a laissé quelques commentaires justement sur les photos que j'ai prises là hier. Là, j'en ai pris, je sais plus, 4-5 là hier. Donc, il a laissé, il a mis quelques petits commentaires ainsi que sur le groupe aussi. Donc il est toujours en vie. C'est quoi ça? Ah oui d'accord, ok. Il y a quelqu'un qu'on n'a pas encore entendu ce soir, qui est peut-être un petit peu en retard, qui doit être occupé aussi de son côté. Ah ben zut, tiens, j'avais le prénom là. Il y a Jean-Paul aussi qu'on n'a pas encore entendu, qui devrait peut-être pas trop tarder vu l'heure. Fabrice, voilà, ça me revient. Fabrice, qu'on n'a pas encore entendu non plus. Il y a une nouvelle station, là, qu'on a entendue il y a à peu près 2 mois de ça, qui est sur les hauteurs, carrément en haut, là, de Saint-Émilion en mobile. Je ne sais pas ce qu'il est devenu.
Je ne l'ai pas entendu depuis, là. Il doit être assez occupé aussi, ou peut-être parti en vacances aussi, hein, après tout, c'est vrai qu'il y a pas mal de monde de partis. Par contre, t'as vu aux infos, ce soir, demain, c'est classé noir, hein, pour nous, au niveau circulation. Oui, tout à fait, c'est comme ça que tu dis, oui, c'est classé noir, oui. Bon, les infos, on passe bien ça, parce que apparemment, j'ai entendu des associations dire qu'il y avait des problèmes de, d'appareil, hein, parce qu'il est en panne. Hein. Ah merde. Ah zut, ah tiens, Thierry qui vient de se connecter sur Facebook, là sur le groupe, il vient de poster, alors, il a, avec lequel, le DK ou le RCI? Je ne sais pas du tout, apparemment il n'y a pas, parce que je l'attends plus du tout. Ok, putain, on est des... Alors, Troyes... Ah oui, alors la ville de Troyes, Nounours, est à l'écoute depuis la ville de Troyes. Je ne sais pas s'il a grand monde de son côté. Cédric, ok, bah, apparemment, tu ne nous entends pas. Cyril, ah, il ne nous entend pas non plus. Thierry, rien de son côté non plus. Je relâche le micro, je te repasse le micro, je leur réponds vite fait. Pas de soucis, écoute, vas-y, reprends-le. Moi, je me déteste qu'il y a des fois où il y aurait quelqu'un de mon côté qui voudrait se manifester, voilà, allez-y, manifestez au pied du monde. Ah, et dans le QRM, il m'a semblé entendre quelque chose. J'en suis pas sûr, les bonnes sont presque 51 à la station de la part de 14 Oscar Delta Romeo 002 sur le QTH de enfin, proximité de Saint-Émilion, département 33, en compagnie de 14 Victor Eco 27, 14 ODR 027, Eric, qui est lui sur le sud de Bordeaux. La station que j'ai à peine entendue derrière, est-ce que vous pouvez revenir avec un petit peu plus de puissance, ça serait pas mal, histoire de confirmer qu'il y a bien quelqu'un, parce que là j'ai le doute. Ok, alors on aurait Thierry qui serait derrière. Voilà, il répond sur, sur Facebook, c'est bon de mon côté. Ok Thierry, les bonnes 73-51 à toi, voilà, de la part de Dandy 33, 14 ODR 002. Voilà, compagnie d'Eric, 14 Victor Eco 27. Alors, le département 10, alors il est à 10 km. Alors attends, qu'est-ce que c'est? J'ai rien compris. Alors attends, je vois un truc. Ah, j'ai la vidéo qui touche à la fin. Voilà, encore une trentaine de secondes. Donc, pour la vidéo, les 913-51, vous, les stations qui vont écouter cette vidéo. D'autres stations vont arriver là dans pas longtemps. On le sait, à chaque fois c'est pareil. Nous, on continue le QSO sans vous. À bientôt sur les ondes.